Il est là, putain, envoyez-le. Ah, faut arrêter, stop, c'est bon, ça me saoule là. Mais quand on ne maîtrise pas les bases du métier, on commet parfois... Comment ça se passe dans cette putain de cuisine? C'est pas normal. Pourquoi tu m'insignes aussi? Moi je te prends la tête. Vous n'y arriverez pas. Franchement, moi je vais pourrir la vie quand je vois ça. Cette nouvelle mission m'emmène à Stiring-Wendel en Moselle. C'est dans cette petite ville, située à quelques kilomètres de la frontière allemande, que Joël et Violette ont fait appel à moi. L'établissement est plutôt bien situé, on est sur une nationale assez fréquentée. La façade est très très visible, c'est un bon point ça aussi. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Des cuisses de grenouille, fondue bourguignonne, fondue savoyarde, moule frites. Et bien avec tout ça, je sais pas où je vais. Alors la carte, allons voir. Il y a beaucoup de grillades. Alors c'est marrant, ça correspond pas avec ce qui est marqué sur la façade. Ça part un peu dans tous les sens. On sait pas, ce qu'ils veulent, où ils veulent en venir. Je redoute sa façon de dire les choses. Sa façon très crue de dire les choses, très dure. Tout à l'heure, je tremblais. J'arrivais même pas à... Bon, enfin, il y a du choix. On va bien voir. J'ai fait beaucoup de route. J'ai très très faim. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bandolero. Ah, la musique pour m'accueillir, c'est une première. Ça commence très très fort. Bonjour. Joël. Philippe. Enchanté de vous recevoir. Ça va? Ouais. Bosse. J'adore la musique. C'est gentil. Bandolero. Tout à fait. Paris Latino. Ce que j'aurais voulu, c'était en établissement, c'était une discothèque. Parce qu'effectivement, j'aime la musique, j'aime le monde de la nuit, j'aime quand ça bouge. Madame. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Oui, mais c'est la musique, je suis désolé. Le client qui a envie de manger au calme, bah, là, il mange au cimetière, quoi, sur un cimetière, voilà. Bon, on mange avec de la musique. Est-ce qu'on peut même l'éteindre? Parce que... Je suis pas venu pour danser, et la plaisanterie a assez duré. Voilà. Bon, j'ai fait beaucoup de route, là, pour venir vous voir. C'est gentil. Et j'ai très faim. Je peux m'installer quelque part pour manger? Bah écoutez, je vais vous chercher une petite place au chaud. C'est pas chaud, là, ici, là. Vous grelottez. Alors, regardez, soit ici, je vous allume le chauffage. Ah, je veux bien, ouais. Comment ça se fait qu'il fasse si froid, là? Bah, tout simplement, parce qu'on a eu... Donc, en fait, au départ, on est chauffé par les clims réversibles. Ouais. Et avec le gel, ce week-end, on a une des clims. Le moteur s'est fendu en deux. Donc, on n'avait plus de chauffage ce week-end. Ce week-end, problème de chauffage, ça fait déjà une semaine. Il est déjà en train de mordir. Il cache sa vraie nature ce matin. J'ai dit, tiens, il est tout gentil. Et, c'est pas bien, j'ai dit, faut qu'on reste naturel, quoi. J'ai dit... Vous allez me regarder, non? J'arrive. Non, du tout. Je suis venu pour manger, j'ai dit. Hein. Je suis pas venu pour être observé. S'il vous plaît. Merci. Alors, belle carte, il y a du choix. J'essaie d'être normal, mais c'est pas possible, quoi. Donc, on a de la charcuterie, on a une assiette de la mer. Alors ça, l'assiette de la mer, pour un restaurant de grillade, c'est le piège. Ça, je vais bien le tester, je vais voir ce que ça donne, parce que je serais très curieux de savoir ce qu'ils vont me servir avec ça. Pour moi, honnêtement, c'était l'enfer. J'avais peur. Je me suis dit, mon Dieu. Et j'observais derrière le comptoir, pour voir la réaction dans le visage. Alors ensuite, on a donc des grillades. Tourneau de Rossini. Un grand classique de la cuisine française. Ça me plaît. Et moi, je serais toi, je ferais chauffer de l'eau, parce que s'ils te demandent un poisson congelé... Joël, le patron du restaurant, est assez dur avec le personnel, quoi. Il n'est pas... C'est juste un gros coup de stress, quoi. Il y a même une terrine maison. Ça, par contre, je serais curieux de goûter ça. J'adore tout ce qui est fait à la maison. OK. J'ai fait mon choix. Plus chaud. Il t'attend. Oui, ne me stresse pas, s'il te plaît. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais. Alors, très bien.
Moi, comme j'adore tout ce qui est fait maison, je prends une assiette de terrine. Oui. Et je voudrais goûter l'assiette de la mer. Oui, assiette de la mer. D'accord. Et puis, je vais terminer avec, avec un tourne de Rossini. Tourne de Rossini. Pour la cuisson. Bleu. Bleu. C'est d'accord, bon. Merci. Merci. Une terrine maison. Il n'y en a pas. Ensuite... Non, on la fait pas, donc... Ouais, bon, là, tu aurais pu me prévenir. Oui, il y a des produits qu'on fait plus. Ensuite, assiette de la mer. Ouais, ça... Et ouais. Après, un Rossini bleu, avec des croquettes et une salade verte. Ouais. Bah, merci, hein. Je me suis dit, attention. Il va nous détruire. Je reviens. Oui. Je suis absolument désolée. Il n'y a plus de... C'était quoi, cette charcuterie? De terrine. Il n'y a plus de terrine? Non. D'accord. Et on vient de m'avertir que non seulement il n'y avait plus de terrine, mais qu'il n'y avait plus de salade de museau, ni de crevettes dans leur manteau de pommes de terre, et ni de quiche. Ah ouais, mais alors ça, je suis désolée, mais quand vous me présentez la carte, dites-le avant. Je suis désolée, j'ai oublié de poser la question à la cuisine. Absolument navré. Pourtant, vous n'êtes pas bousculée. Hein? Non, non, absolument pas. Mais comme on ne m'avait pas averti, moi, je pensais que, voilà, je m'en veux. J'aurais dû poser la question avant cuisine. J'aurais dû y penser. Je sais pas si c'est du stress, mais je comprends pas qu'avec 10 ans de métier, la gérante puisse faire des erreurs pareilles. Excusez-moi. Pas grave. Un peu d'ambiance. La température est froide, mais l'ambiance aussi est très très froide, je trouve. Ça donne pas envie de rester, tout simplement. S'il vous plaît, bon appétit. Ok, donc ça c'est l'assiette de la mer. L'assiette de la mer, okay. Tout à fait. Du saumon fumé, des gambas sautées, des gambas. C'est ça? Petite salade verte. D'accord. Un petit peu de beurre et un petit peu de toast. D'accord. Bon appétit. Ok, merci. Je pensais que c'était un plat froid. Violette, sur la carte, c'est bien marqué entrée froide. Pourquoi les gambas? Ouais. Si c'est une entrée froide, pourquoi les gambas? Et pan, rebelote. Vous la servez tout le temps comme ça? Non. Ah. Expliquez-moi. Bah écoutez, je ne peux pas. J'étais étonnée moi-même. Mais attendez, je vais poser la question. Ouais. J'arrive. Ça nage dans la choucroute complète. Hein. Oh, toi, t'as pas besoin de rigoler. Hein. Je suis en train de me faire tuer, mais à mort. Hein. Mais c'est pas très aussi.